Ouais, salut à tous, c'est Riviera. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là, ça va être une vidéo un peu bizarre, tout simplement parce que je comprends pas trop ce qui se passe en fait, puisque j'avais commencé une vidéo, j'avais fait intro tout ça comme là, j'ai pris mes récompenses d'Ivrypool et mes récompenses Fut Champion, mais j'ai pas eu de joueur rouge et je sais pas si c'est pour tout le monde ou si c'est juste pour moi. Mais j'ai pas eu de joueur rouge. Du coup ça m'inquiète un peu. J'avais pas de gars. Non bah les mecs, y a pas les cartes rouges. Du coup on va aller ouvrir les packs. Les cartes rouges sont pas disponibles, je sais pas pourquoi, y a un bug. Y a dû sûrement avoir un bug, c'est la première fois que ça fait ça, c'est bizarre. En tout cas les cartes rouges sont pas disponibles. Bah dès qu'elles seront disponibles j'ajouterai à la vidéo. Mais en tout cas pour l'instant on va commencer avec le pack à 100 000. C'est parti. Du coup la vidéo va être beaucoup moins intéressante. Alors dis-moi que c'est grosse anime. C'est grosse anime, bleu. Espagnol, ouais, ça pue la merde. Bon, avant d'ouvrir ce pack, je vais quand même vous montrer l'équipe de la semaine. Alors, d'intéressant à voir. Donc niveau prix là, parce que du coup on n'a pas les joueurs rouges. Du coup, je prends Alexander Arnold, Adama Traoré, Kanté, Eriksen, Agüero, Martial, Harry Kane. Et sur le banc, après il n'y a personne. Personne. Il n'y a personne. Voilà, je prends tout cela et de packables que je pourrais caler dans mon équipe ou en super sub, il y a Adama Traoré, Kanté et Martial. Et Alexander Arnold. Voilà. Le reste, Agüero, je pense pas qu'il saute l'un de mes 4 attaquants, même s'il est très fort. Harry Kane aussi, et Eriksen non plus. Il n'y a que Martial qui peut rentrer en super sub. Kanté qui, au milieu de terrain, j'aimerais bien l'avoir. Alexander Arnold qui peut rentrer dans l'équipe, Adama Traoré en tant que super sub aussi. Bon, c'est parti, on va ouvrir le pack 3 boost. Et j'espère avoir du lourd. Parce que pour l'instant, j'ai déjà fait 3 fois élite. Et j'ai vraiment rien eu dans mes packs boost. Donc j'espère avoir du lourd. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, y est. S'il vous plaît, y est. Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, y est. S'il vous plaît. Ah, nique ta mère la pute! Oh là 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 là! Oh! Non, c'est Adama Traoré! Oh, c'est Adama Traoré! Oh, Adama Traoré! Oh, Adama Traoré qui me sauve! Y a moyen qu'Adama Traoré y goûte un peu! Adama Traoré, Sidibé et Henderson. Putain, on n'a pas eu d'anime, sa mère! On aurait eu un bon joueur et derrière Adama Traoré, là ça aurait été bien! Adama Traoré, il y a moyen, les mecs. Il y a moyen que ça coûte un peu, je pense. C'est 100 000! Oh la vie de WAM, c'est 100 000, les mecs! Adama Traoré, c'est 100 000! Oh, je suis refait! Oh, je suis refait! Et Sidibé, c'est combien? Ah, Sidibé, c'est 10 000 par contre. Et bon, bah lui, c'est un discard. À part s'il part. Ouais, il part un peu plus de 9 100. Oh, les mecs, Adama Traoré, c'est 100 000! Oh la dinguerie! Oh la dinguerie les mecs, on est trop bien. Ouais les mecs, on se retrouve du coup le jour d'après ce que j'ai tourné, en gros les récompenses Fut Champion, et on a enfin nos joueurs rouges. Du coup, on va aller ouvrir nos joueurs rouges du. Donc eSport a mis quand même beaucoup de temps avant de nous mettre nos joueurs rouges, puisqu'ils ont, bah, ils ont mis une journée, puisque là on est vendredi. Du coup. Ah les joueurs du coup on en a 3 parce qu'on a fait élite. On va commencer avec celui-là. Allez. 3, 2, 1. C'est parti. Allez. Oh ça pue sa mère, putain. Oh là 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 là. Bon, on va prendre Doherty. Doherty, ouais. Ouais, on n'a pas trop le choix. Doherty? Allez, allez, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, je veux un peu de chance dans les joueurs rouges. S'il vous plaît. Allez, un bon joueur, un bon joueur. Oh non, c'est. Oh non. Oh, je vais péter un câble. Oh, ça fait deux fois qu'il me donne ce gros fils de Eton. Et ils vont pas me donner Adama Traoré. Bah, José Pérez, hein. Ayuse Pérez, 4-4, ouais, en vrai ça va, il est pas mal. Ayuse Pérez en 10, il peut être cool. Mais bon, je jouerai pas avec. Et pour finir, allez, s'il vous plaît, les mecs, s'il vous plaît, eSport, vous avez mis un jour pour nous mettre ces récompenses. Allez, allez, donnez-moi du lourd. Allez, allez, Adama. On a Adama. Ok, on a Adama. Wouh! On a au moins Adama qu'on va foutre sur le banc. On a Adama, les mecs. Ok, putain. C'est vraiment. Hein, vraiment, je vous jure que Adama Traoré, c'était le minimum pour que ce soit bien. Ouais, bon, on va pouvoir le mettre sur le banc. Alors, la question, c'est à la place de qui? À la place de Gnabry ou de Kent? Ou de Reus? Adama, Adama, Adama. Le bon vieux Adama Traoré. On va le mettre sur le banc à la place de qui? Parce que sur 98 de vitesse, je vais pas vous mentir que Kent il a 80. On va le mettre à la place de Gnabry. Même si Gnabry en vrai il est bon quand il rentre, Adama Traoré, 98 de vitesse. Oh, regardez-moi ses stats quoi. Vraiment, eh, heureusement qu'il est pas fort en tir dans le jeu. Heureusement qu'il a pas genre un 80. Un 85-10 de finition, parce que sinon, vraiment, ce serait l'une des meilleures cartes du jeu, quoi. Vraiment. Bon, bah, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu de mes récompenses futures champions. Si c'est le cas, pouce bleu, abonnez-vous. N'hésitez pas à commenter sur tous les mecs, ça me ferait plaisir. Et puis, bah, c'était Riviera, on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt pour tout simplement mon résumé futures champions.